tu vas voir une vidéo, ok, où c'est la femme elle-même qui te dit exactement ce que moi je te dis depuis. Moi je dis quoi? Moi je t'ai toujours dit, premièrement les gars, cette histoire que la société te dit ouais, faut mettre la femme au-dessus, tout ça, faut tout faire pour elle, etc. C'est elle qui passe avant tout, etc. Non, moi j'ai toujours dit la priorité, c'est toi. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu es libre de pouvoir t'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors je précise, c'est pas une vidéo de fitness, ça n'a rien à voir. C'est que là, juste comme après avoir fait la vidéo, je vais aller à la salle, j'étais déjà préparé, j'ai dit vas-y, on garde le truc. Donc du coup, ça fait, je sponsorise normal pour eux. Mais t'inquiète pas, ce sera la dernière fois. Après, je vais remettre des petits t-shirts neutres. Comme à l'accoutumée. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais dire dans l'autre? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonathan Chill. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, créer ta vie sur mesure, quoi. Donc on est là pour ça, les gars. Ok? Tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Je te montre exactement étape par étape comment faire. Donc après, tu n'as plus qu'à refaire. C'est-à-dire là, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein. C'est offert, c'est gratuit, tout ce que tu veux. Donc vas-y, clique sur le lien, tu es libre de pouvoir y accéder. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc, les gars, arrêtez un peu là. On a tous connu des galères, les gars, arrêtez. Hein? Donc, passez à l'action parce que ce qui est sûr, c'est que si jamais tu fais rien, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le secret qui attire les femmes, tu connais, petite vidéo, on s'ambiance, on aime ça. Donc, là, les gars, vous n'allez pas pouvoir dire que c'est moi. Ok? Donc, là, on va regarder ensemble une vidéo. Où tu vas la regarder, je sais pas comment le moteur va faire, mais tu vas voir une vidéo, ok, où c'est la femme elle-même qui te dit exactement ce que moi je te dis depuis. Moi je dis quoi? Moi je t'ai toujours dit, premièrement les gars, cette histoire que la société te dit ouais, faut mettre la femme au-dessus, tout ça, faut tout faire pour elle, etc. C'est elle qui passe avant tout, etc. Non, moi j'ai toujours dit la priorité c'est toi. D'abord toi, après ta femme ou ta copine, tout ce que tu veux. D'abord toi, après ta femme. Ça veut dire que d'abord tu travailles sur toi, d'abord tu fais ce que tu as à faire. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils ont une femme, ils font tout pour elle. C'est-à-dire qu'ils arrêtent, d'aller au sport, ils ont plus de rêves, ils sont plus dans rien du tout, etc. Et puis après, la meuf, elle les largue et puis ils comprennent pas, les gars. Ils font, bah, tu comprends pas, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai acheté des fleurs tous les jours. Hein? Donc ils comprennent pas, les gars, ok? Mais je dis pas qu'il faut pas acheter de fleurs, ça n'a rien à voir. Mais c'est d'abord, tu travailles sur toi. Parce que forcément, elle cherche un leader, tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, on va voir ce qu'elle dit Chloé. Hein, elle s'appelle Chloé Bailey, ok? Donc, en train de buzzer un petit peu en ce moment, là, une nouvelle chanteuse aux États-Unis. Et j'ai envie de te dire, c'est quand même, elle est fraîche quand même. Hein? Bon, je te laisse regarder. Voyons ce qu'elle dit. Voyons ce qu'elle dit. I want him to be just as affectionate as me. Okay. But if I call you, don't pick up all the time. Got it. Sometimes I'm going to be left wondering, what's he doing? Got it. Because that's kind of, because it's like, if you on your shit and you working hard, you're not always worried about me. And for some reason, that's kind of hot because it's like you working on you. So that's a green flag. Yeah. Okay. Just a little bit. Okay, green flag. Always pay attention, but don't pick up every time I call. J'ai besoin de faire un commentaire ou pas, les gars? Donc là, vous n'allez pas pouvoir dire que c'est moi. Hein? Et les gens, ils mettent des commentaires. Oui, t'as dit n'importe quoi, ce que tu racontes. Tu dis n'importe quoi. Blablabla. Hein, les bêtas et les meufs qui veulent pas qu'on sache la vérité. Il y a que eux qui sont pas d'accord avec moi. Donc là, elle vient juste de dire déjà, force à elle, qu'elle a eu le courage de pouvoir partager un des aspects de la psychologie de la femme. En général, les femmes, déjà, ne sont pas forcément conscientes. Ou sinon, elle ne va pas le dire, tu vois. Elle garde le secret, tu vois. Tu connais. Hein, elle veut garder le contrôle. Et donc, du coup, elle dit un truc qui est juste logique, tu vois. Elle dit, voilà, quand je t'appelle, ne me réponds pas tout le temps, en fait. Parce qu'elle veut, avoir l'impression de se demander, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Et genre, quand elle se demande qu'est-ce qu'il fait, ça veut dire que s'il ne répond pas, c'est qu'il est occupé à faire quelque chose. Et s'il est occupé à faire quelque chose, c'est qu'il est occupé à entreprendre, à faire quelque chose. Et ça, du coup, ben, ça l'excite. Donc, les gars, je vous ai dit le truc de, ouais, n'écoutez pas, les gars, ce qu'on vous dit, les gars de la société vous disent, les gars. Quelle soit la priorité. La femme va toujours être excitée par un gars qui a des projets, qui a un leadership, qui a une vision, qui est en train de travailler sur lui. Après, elle dit oui, pas tout le temps, des fois, il faut que tu me répondes, mais il faut que je chante aussi que des fois. Regarde, fais ce que tu as à faire et tu vas attirer les femmes. Voilà le secret, les gars. Voilà pourquoi il y a des petites stratégies, des fois, là, que tu regardes. Les gars disent ouais, quand la femme t'envoie un message, réponds pas tout de suite, etc. C'est dans le même principe, en fait.
C'est le principe de genre, il faut qu'elle sente que tu es occupé, que tu n'es pas genre en train d'attendre sur elle, tu es là, tu n'as rien à faire dans ta life en fait. C'est même pas le fait que tu lui répondes le problème. C'est le fait que tu n'es pas en train de faire quelque chose en fait, tu n'es pas en train de d'accomplir quelque chose, tu n'es pas en train de travailler sur un business, sur quelque chose à faire. Tu n'es pas en train de cliquer par exemple sur le lien. Hein? Parce que si là, la meuf t'envoie un message, toi tu es en train de cliquer sur mon lien, c'est libre, c'est gratuit. Tu cliques, tac, tu prends la formation offerte, boum. Tu avances, tu regardes la formation. Donc du coup, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de répondre quand on t'envoie un message là, actuellement. Voilà. Et ben c'est exactement. Et là, du coup, ça excite. Là, se dit, ah, il est en train de faire un truc là. Il est occupé. C'est pas moi qui l'ai dit là. Là, on pourra rien me dire. Donc c'est toujours le même principe en fait. Il faut que si tu veux attirer la femme, il faut qu'elle sente que tu es un gars qui a une vision, qui est en train de faire des choses. C'est ça l'alpha, tu vois. Donc après, tous les jours, ils cherchent des hacks et tout machin. Ouais, tu peux genre faire des hacks, faire semblant que tu es occupé. Tu reçois un message, tu fais semblant que tu es occupé. Et genre, tu attends 10 minutes, tu lui réponds après. Ouais, tu peux faire semblant. Il y a plein de hacks comme ça, si jamais tu joues sur la psychologie de la femme, pour pouvoir l'attirer. Mais ce qui se passe, c'est que si c'est pas vraiment toi, on fait comment? Alors ouais, tu vas réussir à la mettre dans ton lit, mais après, elle va se barrer, tu vois. C'est ce qui arrive aux gars, par exemple, qui perdent leur couille dès qu'ils se marient, par exemple. Ils se disent, bon, bah, toi, je suis marié, c'est bon, plus besoin d'atteindre l'alpha ou je sais pas quoi. Et puis après, malgré des fois ce que la femme dit, non, j'en ai marre, je veux que tu restes avec moi, arrête d'aller à la gym, arrête d'entreprendre, arrête de travailler, arrête tout. Et puis après, elle se barre et tu comprends pas. Donc, dans tous les cas, ça va toujours finir par le même truc. Comme ils disent les Américains, level up, ça veut dire soit une meilleure version de toi-même, constamment. Soit toujours au top, soit un leader, soit un alpha. Voilà. Soit un alpha. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça fait plaisir de l'entendre. D'une femme, bon, c'est une bombasse en plus, elle. Que bon, tape, de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous qui sont en train de regarder la vidéo, vous avez déjà tapé son nom sur l'onglet juste à côté. Ah, t'inquiète pas, Gérard, je te connais. Donc, c'est une bombasse, mais c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait ça, une vidéo juste réaction. Tu vois, tu as envie de faire une vidéo réaction. Allez, hop, on est bon là. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing hein, pour pouvoir être un gars vraiment attirant, un alpha. Tu vois, dire un gars qui est en train d'entreprendre, qui fait des choses dans sa life. Tu vois, qui n'est pas juste en train de regarder Netflix et manger des chips sur le canapé. Non, tu entreprends des choses, tout ça. Hein, et donc attirer Chloé, par exemple, par hasard, on sait jamais. Non, Chloé, j'avoue, c'est un niveau un peu plus haut. Il va falloir que tu taffes pendant quelques années quand même. Pour pouvoir prétendre à pouvoir attracter ce genre de femme. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc, tout ça pour te dire que Pirate Marketing, tu peux y accéder sans sortir 1 euro de ta poche. Ok, parce que c'est 100% financé par le CPF. Le CPF, c'est un système qui a été mis en place pour le gouvernement pour que tu puisses te former. Donc, tu cotises en fait tous les ans sans. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. Il y en a qui sont même pas au courant qu'ils ont ça. Mais tu cotises tous les ans en fait pour pouvoir te former. C'est fait pour ça. Tu peux pas l'utiliser pour acheter des baguettes, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est fait pour pouvoir te former en ligne. Et si jamais tu n'utilises pas ce auquel tu as cotisé, bah, tu perds l'argent, tout simplement. Ok ? Donc ça, c'était pour t'expliquer juste ça. Et donc, du coup, tu peux accéder à Pirate Marketing parce que c'est 100% éligible au CPF. Donc voilà, donc, je ne sais pas pourquoi tu hésites. Tu as juste à cliquer sur le lien dans les commentaires. Tu vas prendre rendez-vous avec Céline et elle va tout faire pour toi. Okay, elle va faire le dossier. Après, la femme va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc, tu n'as rien à faire. Tu payes nulle part en fait. Le call, il est offert, l'appel avec Céline, il est offert, le dossier, elle va le faire pour toi, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer. Quand tu auras accès à Pirate Marketing, tu n'as rien à débourser de ta poche, ça, voilà, tu n'as rien à débourser. Et en plus, même pour lancer, parce que les stratégies que je t'enseigne pour pouvoir faire plus de 1000 euros par semaine, donc 1000 euros, ouais, 1200, on va dire 1200 euros par semaine, eh ben, même pour lancer ça, tu n'as pas besoin d'investir encore de l'argent derrière. Donc les gars, je sais pas ce que tu veux, tout est offert et il y en a encore qui hésitent et après ils comprennent pas, mais non, j'attire pas les femmes, c'est bizarre. Frère, faut être dans l'action, faut faire les choses. Là, t'as tout sur un plateau d'argent. Donc taf sur toi et puis c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis dans ton camp.